Bonjour amis bassistes débutants. Alors j'ai prise pour cette vidéo la mélodie, le thème de Bella Ciao, qui est une chanson révolutionnaire italienne du début du XXe siècle, d'après mes lectures si je ne me trompe pas. Et c'est une chanson qui a été reprise récemment dans une série phare de Netflix qui est La Casa del Papel. Un abonné m'a proposé de la jouer en fait. Et j'ai écouté le morceau et je me suis dit ce qui pourrait être sympa, c'est vraiment faire le thème principal, c'est-à-dire vraiment la mélodie de la chanson, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Alors si vous écoutez, je vous mettrai en lien une vidéo sur la Casa del Papel avec cette chanson. Vous verrez que il y a des acteurs, enfin les acteurs, les chanteurs au début, la chantent sans qu'il y ait un rythme particulier. C'est eux qui mettent l'émotion avec leur voix. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça veut dire qu'on ne va pas être entre guillemets bloqué avec une batterie, on va laisser sa musicalité ressortir. D'accord? Ça veut dire que... alors, il n'y a pas besoin de connaître tout le thème pour faire ce que je vous dis. Vous avez besoin déjà de connaître simplement les quatre premières notes et ensuite de rajouter des notes au fur et à mesure. Mais vous allez voir avec les quatre premières notes ce qu'on peut déjà faire. Donc, ce morceau, on va pouvoir l'interpréter librement. Ça, c'est sympa. Et le fait de jouer le thème, c'est quelque chose qui va nous changer un petit peu à la basse, où on fait surtout de l'accompagnement, du groove, de la rythmique. Là, on joue le thème. Ok ? Donc, comment on joue ce morceau ? Alors, moi, je l'ai pris en mi. Quand on verra les cours de théorie, on se rendra compte qu'on peut le prendre à différents endroits. Moi, je l'ai pris en mi, comme dans la chanson La Casa del Papel. Ce n'est peut-être pas la tonalité d'origine, mais peu importe. Une fois qu'on sait qu'on peut faire la même chose un peu partout, c'est plus vraiment un problème. Ok ? Alors, les quatre premières notes sont le mi, le la, le si et le do. Et on revient sur le la. Ça fait. Donc, vous voyez, avec mon index, je commence sur le mi. Ensuite, je descends l'index pour jouer le la, si, do et mi. J'utilise un doigt par case, d'accord? Et là, je vais utiliser donc l'annulaire et l'auriculaire. Ça fait. Et je reviens sur l'index. On va le refaire tranquillement. Ça fait. Pardon. Ah, vous voyez, ces quatre notes déjà, on peut les faire chanter différemment. Une fois que vous aurez réussi à faire les quatre d'affilée sans vous tromper plusieurs fois, vous allez pouvoir commencer à mettre une intention dedans. Par exemple. D'accord ? Ou encore. Ou encore. Voilà, vous pouvez les jouer vraiment de différentes façons. On reconnaît toujours le thème. D'accord ? Vraiment, il est ancré et c'est vraiment sympa. Donc après, quand vous aurez tout le thème, vous allez voir, hein, vous allez vous surprendre à essayer de donner autre chose à l'intérieur en jouant les mêmes notes, en les allongeant, en mettant des silences. Vous allez voir, c'est ce que vous allez faire, je vous garantis. Donc une fois qu'on a joué ça, on le joue une deuxième fois. D'accord ? Et ensuite, il y a cette partie. On commence pareil. Pour cette partie, on fait. Quand on arrive là, on rejoue avec l'annulaire et on revient. Je vais vous faire doucement. D'accord ? Ici, c'est un mi plus aigu. C'est l'octave. Donc le mi de départ était là.
Et la dernière note, c'est l'octave. Donc ça fait, je refais cette partie. Ici, on reprend l'annulaire. Et on repart avec le petit doigt. Je la rejoue. Je la rejoue encore une fois. Ok. Alors je vais descendre un tout petit peu la caméra pour que vous voyez éventuellement ma main droite. Voilà. Donc si je reprends tout, ça fait ça. Ok, donc déjà si vous arrivez jusqu'à là, c'est pas mal. Vous vous arrêtez, vous répétez jusqu'à ce que ça soit bien ancré dans votre tête. Alors la suite, on va partir ici sur le Ré, Mi, Fa. Et ça fait un doigt par case. Ré, Mi, ça fait. La suite, ok. Donc je recommence. Ensuite, avec l'index, on va choper ici le Mi, le Ré. Donc on va faire Mi, Ré, Mi, et ici on va jouer, pardon, le Do. Ça fait. Je rejoue. Petit doigt, je refais. Donc si on a un doigt par case, on tombe ici, mais sur la case juste, sur la corde juste au-dessus. D'accord? Ok, donc ça fait. Je reprends tout le thème. Voilà, d'accord? Et maintenant, il reste une dernière partie qui est celle-ci. Et on a terminé, ok? Alors, ici, avec l'index, le majeur, vous allez sur le Do deux fois. Et ensuite, la case à côté qui est le Si, ça fait. Mi. Donc ça fait Do, Do, Si, Mi, Do, Si, La. D'accord? Alors le doigté est un petit peu délicat parce que ici on se retrouve à chercher la dernière note là et on joue ici avec les premiers doigts de la main. Donc moi, ce que je fais, vous pouvez trouver éventuellement un autre doigté si vous en trouvez un qui est plus simple pour vous. Et moi, je le joue comme ça. Je pars du majeur. Après, je repose le majeur en dessous. Et ici, petit doigt. Comme ça, je me retrouve avec un doigt par case. D'accord ? Je refais. Quand on n'a pas l'habitude, ce genre de truc, c'est vite la salade de doigts. Hein. On en met partout et c'est pas évident. Faut juste prendre son temps. Faut être patient avec soi-même. Faut prendre son temps. Et ça va finir par passer. Il suffit de le faire doucement. Au fur et à mesure, le cerveau va commencer à s'habituer. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez y venir, vous allez réussir à passer ça de plus en plus facilement. Donc je vous le refais. Maintenant, je vous rejoue tout le thème une dernière fois.
ici, j'ai remarqué que quand je fais ma petite salade de doigts, il m'arrive des fois, justement, on entend un petit son parasite qui est dû à mon petit doigt qui accroche en plus ici et qui fait résonner la corde sans que je le veuille. Donc ça, c'est un petit travail que moi, je dois faire en plus pour éviter ce petit son parasite pour que tout soit propre. OK ? Bah écoutez, voilà. J'espère que vous allez vous en sortir avec ce petit thème qui va faire travailler quand même votre mémorisation. Alors ce genre de choses, c'est bien parce que ça va aussi vous pousser un peu dans vos retranchements. Ça va vous faire aller plus loin, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et c'est très bien de faire ce genre de choses de temps en temps, sachant qu'il y a pas mal de notes. Je vous recommande fortement de ne pas prendre de partition et de le jouer avec ce que vous avez dans la tête. Parce que ça va énormément vous faire travailler l'oreille. On y reviendra, d'accord ? Bah écoutez, je vous laisse avec ça. Comme d'habitude, likez, commentez. On se retrouve sur le groupe Facebook si vous avez des questions auxquelles je peux répondre directement par rapport à ce morceau. Et puis, bah écoutez, bonne basse, éclatez-vous bien. Et à la prochaine, bye !